Yo les gens, c'est Moonyux pour un nouvel Halo News. Préparez vos fusils, nettoyez vos armures, car aujourd'hui on a une bonne nouvelle. Aujourd'hui, je suis venu vous annoncer que la dernière pièce de la MCC va... Attendez, j'entends un truc, vous l'entendez aussi? Halo 4, Halo 4, Halo 4, Halo 4, Halo 4. Exactement, la sortie d'Halo 4 sur PC le 17 novembre. Pour la première fois, les joueurs PC pourront découvrir Halo 4 dans sa totalité, qu'il s'agisse de la campagne, du Spartan Ops ou même du multi. Pour les joueurs PC, ça se passe comme les autres opus. Soit vous l'achetez seul, soit vous n'aurez qu'à le télécharger si vous avez payé la MCC à 39,99€ comme mi. La saison 4 débarquera au même moment et permettra de débloquer de nouveaux contenus cosmétiques pour Halo 3 et Halo 4. Mais aussi l'ajout de nouvelles fonctionnalités telles que le matchmaking basé sur le périphérique d'entrée et surtout le crossplay. C'est ça qui est bon. Et pour finir, la saison 4 viendra optimiser le jeu pour les Xbox Series X et S et de nombreuses améliorations graphiques. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et à me dire ce que vous en pensez de Halo 4 déjà dans les commentaires. Et surtout, qu'est-ce que vous pensez du crossplay et le matchmaking basé sur le périphérique d'entrée. J'ai hâte de lire tous vos commentaires et tous vos points de vue. Allez, à plus et surtout, n'oubliez pas, vive Halo !